messieurs, chers abonnés, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Merci, vous faites plaisir de rester encore connecté à notre chaîne. Nous vous invitons tout de même à inviter les amis à connaître naturellement, déguster les bienfaits de MyFrica TV. C'était un rendez-vous et dans le rencard cette fois-ci, nous sommes allés à la rencontre de l'un des talents, des génies très montants au Cameroun à présent. Nous irons voir M. Ndefo Premier, le président autoproclamé des touristes au Cameroun. Il nous a donné rendez-vous dans la nature. Vous voyez, c'est un décor différent. Donc, allons vers M. Ndefo Premier. Follow me, go. Yeah. Yeah. Bonjour, M. le président. Bonjour. La grosse forme? Non, non, ça va. Je ne me plains pas. Partout yeah. Long, je suis au top. Vous voyez, il y a des arbres, il y a des brunes, il y a des mangues, il y a tout. Donc la nature m'a prévu la consommation. Justement. Je suis au top, je ne me plains pas. Bon, nous avons pris quand même la peine de dire qu'il faudrait qu'on arrive auprès de Monsieur le Président autoprogrammé des touristes au Cameroun. Pour arriver à ton niveau, il fallait que nous passions par des interrogations. Pourquoi c'est devenu compliqué tout d'un coup? Non, c'est compliqué parce que je travaille beaucoup. Tous ceux qui travaillent n'ont pas assez de temps. Quand tu travailles, tu te fais rare. Oui, on se fait rare. Et à côté du travail, j'ai dit pour arriver au niveau du président, la garde est très forte. Justement, c'est mon travail qui le fait. C'est pas moi-même. T'es mis comme là. Pour mon employeur, c'est un peu compliqué parce que mon travail, ce que je fais aujourd'hui, ne facilite pas certaines entrées. Quand je suis par exemple en plein tournage, là je suis en plein site. Quand je suis en plein tournage, les visites sont limitées. Bon, moi je suis arrivé, c'est vrai, je trouve deux chaises. J'ai même peur de m'asseoir. Non, c'est vrai. Ah, merci, monsieur le président. Je m'assois auprès du président. Président, je disais tantôt, c'est un réel plaisir de t'avoir, puisque ce n'est pas tous les jours qu'on parvient à te décrocher, vu les boulots ou encore le boulot qui t'accapte ces derniers temps. J'ai envie que tu me dises un truc. D'où vient Ndefo Premier, cette appellation premièrement? Ndefo Premier, quand je fais le premier long métrage, le Crayon de Dieu. Il s'est réalisé par Ferro, fait à repasser. Et on a fini les tournages, on a fini les montages. Et on me dit le nom, on va faire. Quand on dit que non, j'utilise mon vrai nom. Il m'a fait comprendre qu'il y avait un autre Ndefo, le papa Ndefo. Et il fallait faire la différence de Ndefo qui était déjà sur le terrain. J'ai dit, bon, mettons Ndefo Premier. C'est comme ça qu'est né le nom Ndefo Premier. À qui la paternité de nom Ndefo Premier? Est-ce Ndefo le porteur de nom, de ce nom en question, ou c'est la complicité entre Ndefo porteur de nom et monsieur faire et passer? Non, Ndefo Premier, c'est mon nom. Justement, oui, c'est pas lui qui a choisi. Mais il y a une complémentarité dans ça. Je peux dire que. La complémentarité, ça veut dire le premier. Le premier qu'on a ajouté, c'est quand même quelque chose, non? Le premier, c'est quelque chose, mais ça vient toujours de toi. Ça vient toujours de toi. Il y a là près de 10 ans, Ndefo Premier, lui, faisait plus dans la rue. Il est venu me voir, il a dit, grand frère, je vais être comme vous. J'ai récupéré Ndefo Premier. On est passé d'abord par des séances de recyclage, de formation et bien d'autres. Puisque je ne sais pas très long. Et il avait un film, parce que ce monsieur était très inspiré à l'époque. Il était très inspiré. Il a écrit un film, Le Crayon de Dieu, où j'ai essayé de réaliser Le Crayon de Dieu. Et quand j'étais avec lui un soir à la maison, y compris mon épouse, on cherchait des noms qu'on devait l'attribuer. On a réfléchi parce qu'il y avait un premier défaut qui a joué dans Gassanganele. Il s'appelait le papa Ndefo. Moi, j'ai donc dit que toi, en tant que... Pourquoi est-ce que... Parce que tu as l'image, tu ressembles beaucoup à Tagne Kondom. À Tagne Kondom. Le père là, est déjà fatigué. C'est ce que je dis. J'assume ce que je dis. Le père, le premier Ndefo est fatigué. Et c'est un homme qui porte. C'est un homme qui donne la chance. Pourquoi ne pas te donner le nom de Ndefo Premier? Ndefo, aujourd'hui, parti de très loin, je vais dire
de la capitale politique du Cameroun, avec son humour très connu et très distingué des autres humours. Ça sort d'où cette inspiration qui fait de toi une personne extraordinaire? Je l'ai toujours dit, papa était exagérément comique. Mmh. Et c'était l'un des meilleurs humoristes en Afrique, ouais. Je peux me dire dans le monde entier. Mmh. Mais qui ne m'a pas reconnu. Ouais. Oui. Mmh. Il y a eu des combats, il y a eu. Maman étant à Yaoundé pour ses tournées, ouais. A fait la rencontre d'un artiste, d'une célébrissime. Mmh. Humoriste et comédien, ouais. Que tout le monde connaît. Mmh. Jusqu'ici, j'évite, je le dis pour la toute première fois, ouais. Hein. Ça c'est une exclusivité. Justement. Que je vous donne. Et faire la rencontre de cet artiste, ce papa, et qui a fait des choses comme ça, et puis ça a donné. Ça a donné, ouais. C'est entré dans une célébrité. Mmh. Je n'ai pas voulu utiliser son nom jusqu'à présent, jusqu'à parce présent. Qu'il ne m'a pas reconnu comme fils. Comme fils. Vous imaginez, ça peut être qui? Ça peut être Jean-Michel Gagan, par exemple. Non, laissons, ça va tourner la page. Donc, je me suis dit, si mon père était célèbre, ouais. Défaut premier peut être aussi célèbre. Peut être aussi célèbre. Oui. Est-ce que depuis qu'un défaut est entré dans le rang des célébrités au Cameroun, papa a déjà eu à passer un coup de fil pour dire j'étais connu quelque part? Je suis désolé, il ne vit plus. Il ne vit plus. Oui. Cet artiste-là, il est à moi. Statistiquement, oui. Ça veut dire que j'ai trouvé la bonne réponse, c'est ça? Non, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. J'ai pas la bonne réponse. Laissons d'abord le dossier là. Ah, dossier. C'est un dossier qui peut influencer ma carrière. Est-ce que ça peut pas être aussi un plus dans la carrière de défaut? Ça peut pas être un plus parce que je me dis pour que je crée moi-même. Ok. Je ne veux pas utiliser le nom de quelqu'un. Justement. Quand je serai au top, je serai parmi les meilleurs. Si tu es comme meilleur comédien, meilleur humoriste au Cameroun, je vais péter son nom. Ah, pour être meilleur humoriste au Cameroun, il faudra attendre décennement d'un award. Il faudra attendre quoi pour se dire meilleur humoriste? Je me dis que jusqu'ici, je suis encore à l'école. À l'école. Je travaille encore. J'apprends encore. Défaut. Je veux prendre le pouvoir. Mais puisque un défaut premier s'est autoproclamé président des terroristes au Cameroun, pourquoi ne pas se dire je suis la plus grosse star? Pour le moment, je ne suis pas encore star. Ah. Oui, parce que je veux que... Et tu voudrais être une star? Non, ce n'est pas ta manière qui m'intéresse. Je n'ai pas dit la manière de star. Tu voudrais être une star? Non. Ah, ok. Je veux juste marquer mon passage. Tu voudrais être artiste? Pas artiste. Je n'aime pas quand on m'appelle artiste. On t'appelle comment? Je peux dire quoi? Je suis sur terre pour une mission. Ah. Marquer mon passage. Ouais. Produire des œuvres qui peuvent éduquer les jeunes, ouais. Éduquer les papas, hein, chasser le stress. C'est ça ma mission sur terre. Justement. Le jour où je veux faire les va-et-vient avec les touristes, ouais. Douala, France, Douala, Paris, faire le tour du monde, prendre des trophées partout. Encore que les trophées aujourd'hui sont truqués. Ouais. Si tu n'as pas d'affinité avec celui qui fait les awards, il ne te donne pas le trophée. Dans le jour, le public va me voir et dit deux fois, tu nous as soignés. Ça se fait déjà, mais ce n'est pas le cap, je n'ai pas encore atteint le cap. Je suis très ravi quand tu me dis que c'est lui qui décide qui est meilleur ou qui n'est pas meilleur. Maintenant, à côté de sachant que c'est tellement vissé au Cameroun, vu la façon avec laquelle, ou encore des couloirs par lesquels on passe pour décerner des awards aux personnes, parce qu'il suffit par exemple que moi, Tenson, je dise voici MyAfrica Award. MyAfrica Award, je vais dire, j'ai trop d'affinité par exemple avec notre très cher Nono. Nono, tu es meilleur humoriste. Tu conviens avec moi dans ça. Mais le véritable problème, tout ça va changer. La vérité, c'est quelque chose. Le mensonge n'a pas de longue jambe. Ouais. On peut te donner un trophée, mais consciemment, tu sais que tu n'as rien foutu. Ouais. Comme les trophées, on distribue les trophées aux gens un peu de partout. Mais le public sait que Defoe, depuis 2 ans, est en train de cartonner. Ouais. On ne peut pas me donner un trophée parce qu'on sait que je ne suis pas dans les couloirs. Il faut être ami de tel. Mais moi, je ne parle que de l'art. Non. Je ne parle que du boulot. Justement, et pour être travailler, on n'a pas besoin d'un trophée pour travailler. On travaille. Et le public, c'est le seul juge. Justement, les œuvres pâles à la place des morceaux de bois rabotés pour dire trophée. Mais on a toujours aussi besoin de ça pour compléter le CV. Dans tous les cas, un défaut premier. Aujourd'hui, en train de former une troupe de référence au Cameroun.
est-ce que c'est la première troupe qui a existé depuis qu'un défaut s'est lancé dans l'art? Ça c'est peut-être là. Il y a eu des troupes. Il y a eu Temple de l'humour. Ouais. L'univers des têtes vides. Hein? Ouais. Le couloir du rire. Il y a eu Chasser le stress. Mais jusqu'ici, on garde les mêmes acteurs. Ouais. C'est vrai que pour changer les choses, on a fait d'autres recrutements. On a fait un mercato fort, très fort, tous ces derniers temps. Donc d'ici 2 à 3 semaines, vous verrez des œuvres qui n'ont rien à voir avec ce que des fois fait il y a 2 ou 3 ans. Parce qu'on travaille pour avancer, on ne travaille pas pour rester sur place. Justement, on se pose des questions. Un défaut, quel est son comportement à la maison quand il est en famille? En famille, c'est toujours l'humour. Je fouette beaucoup. Dans les enfants, quand je dis je veux faire un sketch, l'enfant doit être attentif. C'est comme une école, en fait. Je vis ça. L'enfant qui fait les bruits, je veux le fouetter. Parce que je considère que jusqu'ici, en Afrique, il faut fouetter. Il faut fouetter. C'est chez le blanc qu'on dit, je ne fais pas si. Tu m'auras pas ton déjeuner le matin. Mais en Afrique, chez nous, il faut fouetter. Il faut fouetter. Oui. Ceux qui volent partout, là, si on les mettait à la place publique, on les fouette. Ouais. Il devait avoir un changement. Voilà. Quel est l'avenir de l'humour au Cameroun d'après un défaut premier? Moi, je trouve que le couloir, l'avenir de l'humour, c'est positif pour le moment parce que quand on voit tout ce qui est sur le terrain, je peux citer les Fingon Tralala, je peux citer les Bitacola, je peux citer les Cabrel, les Calagan, Buffser, les Takam, les Moustiques, le Charismatique, les Nonos, tout ça. Oui, les Nonos. Je ne dois plus citer Nonos puisque nous travaillons ensemble. Non, c'est clair. Ça fait tautologie, ça c'est. Répétition. Là, voilà, c'est la répétition. Donc, quand je vois tout ça, je me dis, l'avenir de l'humour, vraiment, on est sur les rails. Qu'on évite de se dérailler. Donc, on travaille davantage pour atteindre l'Europe, les États-Unis, les entières, sortir de l'Afrique en fait. Aller imposer notre humour à l'échelon international, pas devant les Noirs, mais devant les Blancs. L'humour au Cameroun, on dit ça devient comme une sorte de maison de fourmis où on a jeté un produit de l'insecticide. Puisque vous ne parvenez pas à vous entendre, vous n'avez pas un syndicat, vous êtes peut-être marginalisé, c'est ce que vous dites tous les jours dans les coulisses. Vous créez des associations qui ne font pas quelques années, je veux dire des associations qui ne durent pas. Qu'est-ce qui se passe au fond? Est-ce parce qu'on a pendant longtemps chosifié la chose humoristique? Est-ce parce qu'on a dit les humoristes sont des voyous? Pourquoi vous ne parvenez pas à être solide? Parce qu'on sait que dans le showbiz, il faut être bien serré. Moi, je pense que les vrais comédiens, les vrais humoristes doivent prendre les choses en main. Parce que dans le domaine de l'humour, dans ce couloir, il y a un peu de tout. Vous voyez, quelqu'un qui arrive là, il trouve un enfant qui est en train de fabriquer son sketch, comme il n'est pas connu, le totem qui n'a jamais rien foutu, qui n'a jamais rien créé, en termes d'œuvre, va prendre le sketch de l'enfant et va aller se faire du beurre dans des mariages. Tu vas lui voir faire le porte-à-porte et demande à jouer. Parce qu'il n'est pas artiste, il n'est pas né artiste. Moi, je pense qu'un artiste, ça se respecte. Oui, ça se respecte. On paye un artiste ou encore on lui demande de venir avant qu'il ne vienne. Mais aujourd'hui, les gars qui font un peu de tout là sont partout. Oui, vous arrivez partout, vous les voyez, ils n'ont jamais rien créé. Ce n'est pas des humoristes. Est-ce que vous avez déjà reçu les coups de fil des animateurs, entre parenthèses, je veux dire impresario, qui vous invite dans une soirée en disant « Non, viens, tu vas prester, tu vas pointer, il n'y a pas de cachet pour toi. » Non, d'abord même, je suis un impresario, ne m'appelle pas n'importe comment. Moi, je vous dis la vérité. On passe pas mon équipe pour m'avoir. Si l'impresario me dit il y a tel mariage, mon manager ou mon équipe va vous dire défaut pour que défaut se déplace, il va payer tant. Maintenant, si c'est dans le cadre de mon travail, vous voulez savoir ce qui se passe. Je lui donne les informations concernant mon travail, ma troupe. Mais Maria dit viens jouer, il y aura Faruta, je ne fais pas ça. Si par exemple, Tinson se marie,
si par exemple nous sommes mariés, Edine Defoe, j'aurais besoin de toi en tant que frère, même sans t'inviter, et disant que non, j'ai besoin de ta prestation. Non, je pense qu'on fait à cet instant. Le mariage de Nono, c'est mon mariage. Mmh. Voilà. Si t'es un son, se marie, c'est un frère. Ouais. Hein? Si Edine Defoe vient me donner un coup de main, je viens. Je viens parce que c'est un frère. Okay. Si tu m'appelles, on peut jouer pour rien. Mmh. Hein? Mais ça ne se passe pas. Viens jouer, il y aura Farota. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si tu me faisais plaisir. C'est une insulte, en fait. Aujourd'hui, défaut premier, un nom qui monte en puissance dans l'art humoristique au Cameroun. D'où vient ce style, à côté de ce qu'on me dit que papa était également un humoriste, il fallait être aussi célébrité. D'où vient cette inspiration même? D'où te vient l'idée d'allier patois français, je ne veux pas dire patois, langue première et français pour véhiculer le message? Ça fait 15 ans que je travaille. Mm. Et j'ai regardé l'univers de l'humour, en fait. J'ai observé. J'ai dit comment faire pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Mmh. Une touche particulière, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu m'a donné l'inspiration de créer des œuvres. Je suis président des touristes, ce n'est pas moi. Mmh. Je me suis autoproclamé, mais le public a validé. Aujourd'hui, quand tu parles des théories de la consommation, on sait que c'est moi qui donne l'agrément de la consommation au Cameroun. Mm-hmm. Est-ce que je mens, monsieur le Non, c'est très clair, en fait, c'est très clair. Oui. Et aujourd'hui, des personnes disent défaut dans son humilité. Défaut dans son humilité, oublie même son propre corps, oublie même son propre talent, oublie même son propre génie. Parce que j'ai eu des fans qui disent, ce gars n'est pas seulement fort, il est brut. Il est brut dans l'art. Je n'aime pas dire brut dans sa façon de jouer, mais brut dans l'art. Son art est pur. Raison pour laquelle je pense que c'est l'une des raisons qui viennent accompagner ce que nous sommes en train de faire en pleine nature, parce que tu es naturellement naturel. Bon, excusez la tautologie. Ma mère me disait souvent, en patois, au grumeau, l'homme, tu te mords de ta mère. Ouais. Un jour, tu iras en mariage et tu vas accoucher des enfants. Justement. Et ces enfants-là vont te faire la même chose. Moi, je pense que la simplicité, c'est quelque chose de bien, c'est une richesse. Respecter l'aîné ou respecter son petit frère, c'est quelque chose de bien. Pour moi, ça fait avancer. Mais gonfler, pour moi, ça limite certaines choses. Même ta carrière, quand tu dis je suis déjà au top, je suis déjà fort, deux fois est trop fort, deux fois c'est le meilleur au Cameroun. Moi, je ne pense pas. C'est le public le juge. Justement. Et c'est le public qui doit dire c'est tel qui est fort. Toi-même, tu dois dire je suis à la fois à l'école. Comme Défaut le dit tous les jours, j'apprends encore. J'apprends. Justement. Un Défaut vit essentiellement de son art, ou à côté de cela, il est éleveur. À côté de cela, il est pousseur. À côté de cela, il est moto, ben skinner. Il faut dire que j'ai tout sacrifié pour l'art. Mon travail, ce que j'ai appris à l'école. Ce que j'ai appris dans la vie artistique, j'ai tout laissé pour l'art. Aujourd'hui, je ne vis que de l'art. Je dis la vérité. Ok, donc ça voudrait dire que l'art nourrit déjà l'artiste. Non, l'art nourrit l'artiste, mais il faut travailler. Justement. C'est pas qu'on se lève un matin, j'ai dépensé des millions. Normalement, je fais des productions matin, midi, soir, c'est de l'argent. Comme les gens voient partout, là, c'est pas facile. Je peux dire merci au public aujourd'hui parce que quand les gars regardent, il dit, ouais, défaut. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, je t'ai fait un dépôt de 1000 francs. Je t'ai fait un dépôt de 500, grand frère. Ouais, tu es trop fort. Ouais, ce que tu as YouTube fait. YouTube récompense également. YouTube ne récompense pas. YouTube, c'est un détail. Si vous produisez, vous mettez 1 million pour les tournages en un mois, YouTube vous donne 150 000 francs, 200 000 francs. Vous croyez que YouTube a fait quoi? Sans consent, pas. YouTube, je peux dire que c'est juste un petit plus que YouTube. Une consolation même. Une consolation. La visibilité à côté de cela. Bon, la visibilité, on peut dire, c'est des réseaux. Moi, je suis produit au réseau, je dois respecter cela. Justement. Mais ça porte la visibilité. Voilà. Mais en termes d'argent, on ne peut pas récupérer ce qu'on dépense, ce qu'on investit à YouTube. Un défaut premier, on joue dans un look pas habituel. Qu'est-ce qui arrive prochainement comme coiffure, où il faudrait reconnaître un défaut premier avec cette coiffure? Pamela va voir le jour d'ici lundi. Camdom Cécile, je vais le dire,
Kamdom, donc défaut dans un autre jargon. Ouais. Jargon typiquement femme. Mm. Il va se déguiser, il va incarner des rôles terribles. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce que les gars racontent dehors. C'est un message pour la jeune génération. Très joli message. Maintenant, oui, on se pose trop de questions. Il y a des critiques qui se lèvent, un peu qui fusent partout, disant qu'avec cette allure de jeu consacré ou dédié aux femmes, on risquerait de tout d'avoir des garçons qui vont devenir plus femmes-corps. Que penses-tu de cette assertion? Je pense, pour moi, je me dis un humoriste, c'est un messager. Mmh. C'est quelqu'un qui travaille pour véhiculer les messages au quotidien. Ouais. Que ce soit la jeune génération, qu'au papa, c'est pareil. Pour moi, se déguiser, c'est pas mauvais. Mmh. C'est le message, c'est ce qui sort de ta bouche. Le message qu'on véhicule étant déguisé. Oui, étant déguisé, mmh, qui peut être mauvais. Mmh. Déguisé, je peux faire un sketch. Comment une femme manque du respect à son mari, mmh, étant déguisé. Ouais. Comment une femme humilie son mari en public. C'est un message. Moi, je pense que c'est un message. Mmh. Oui. Ok, j'ai envie de poser la question de savoir, à côté de papa, je vais toujours revenir là-dessus, oui, à côté de papa qui t'aurait inspiré, quels sont les autres modèles? Quels sont les autres modèles de l'humour qui t'ont véritablement marqué? Les modèles de l'humour, mmh, en Afrique, ouais, pour moi, il y a Jean-Michel Kanto. Mmh. Hein? Il y a les Fingon Tralala, mmh, selon sincère, justement. Il y a les présidents Tchouk-Tchouk. Mmh. Il y a qui? Je vais oublier certains des Tani Kondom. Mmh. Oui. Qui ont marqué ton enfance? Qui ont marqué mon enfance. Est-ce que tu as oublié de Safari? Parce qu'on dit chez nous, le soleil n'oublie pas un village parce qu'il est petit. Mmh. Il est vrai, nous, de notre génération, oui, si nous sommes très vrais, nous allons dire que Safari a bercé notre enfance. Safari a aussi. Je ne suis pas en train de parler de sa position actuelle. Mm-hmm. Mais dit de ce que nous écoutions dans les radiocassettes. Vous parlez des monuments. Non, je dis ceux qui nous ont marqués. En quelque sorte. Il y a Safari. Voilà, justement, c'est pour ça que je ne suis pas en train de dire des monuments. Non, non. Il y a Safari. Il y a le père, c'est le père qui travaille avec Safari. Casserole. Mmh. C'est des gens qu'on doit respecter. Justement. Oui. C'est vrai que ça ne sourit pas. Ouais. Au monde. Aujourd'hui, ceux qui ont des belles voitures, mmh, ceux qui ont des maisons, on a de ceux qui n'ont rien. Mmh. Mais Dieu ne peut pas donner à tout le monde. À chacun son petit truc. Toi qui as l'argent, tu dois respecter celui qui est pauvre. Justement. Parce que on t'appelle riche parce qu'il y a pauvre. Propre. Voilà pourquoi quand tu passes avec ta belle voiture, tu vois des pauvres, il faut les porter. Justement. Il faut les porter, il faut les donner. S'ils ont faim, donne-les à manger. Mmh. Ouais. Les relations d'un défaut premier avec les autres artistes humoristes camerounais, mmh, ça se voit, j'ai tourné presque avec tout le monde. Fingon Tralala, mmh, Kalagan, Kabrenambi, Moussiro Kazmati, Les Rigolas, presque tout le monde. Cola Sucré. Tout le monde, j'ai collaboré avec tout le monde. Et mmh, c'était une autre façon de faire, de monter au gars. Quand tu es bon, mmh, quand tu travailles, il, ouais, faut aller affronter des gens. Justement. Il faut travailler avec tout le monde. Aujourd'hui, les gars fuient même les collaborations parce que quelqu'un a peur. Non, si je joue avec lui, il va me damer le pion. Mmh. On va beaucoup plus l'apprécier que moi. On n'est pas là pour la compétition, mais plutôt pour le travail. Pour la complémentarité. En c'est l'œuvre qu'on propose au public qui est le plus important. Mmh. Peu importe celui qu'on peut apprécier. Toujours est-il, pour qu'on fasse la pompe, tout ce qui pompe là, mmh, il faut que les Black Oya, ouais, hein, ouais, les Black Oya, les Mutapenda, les accompagnent dans le jeu. Mmh. Donc une seule main ne peut pas attacher une fagot. Bon, le monde entier nous regarde. On a envie de savoir, messieurs, défaut premier, quel a été ton plus gros cachet? Mon plus gros cachet, c'est... Sans détail, elle ne dit pas, c'était par rapport à... C'est combien? Mon plus gros cachet, mmh, c'est quand la fille, mmh, sans publicité, ouais, a fait l'enfest band se marier. Mmh. C'était 800 000 francs. Oh. Pour aller jouer au Cercle Vert, mmh, à Yaoundé, mmh, avec Fougerolles là-bas. Justement. Il y a une très grande salle de fête. Mmh. 3 minutes de spectacle. Et fouiller ces 800 000 francs, fouillés par un manager,
fouillé par un proche ou encore vu par le concerné en question. La personne m'avait déjà fouillé fatigué. La personne m'a appelé Fingontaire. Tralala m'a appelé. Je suis arrivé vers Dorbom là-bas. Ouais. On s'est assis, on a causé. Il me dit, il y a un très grand monsieur qui veut te rencontrer. Il veut à tout prix te voir des fous. Je dis, ouais, est-ce que ça va payer? Il dit, je ne sais pas. Hein? Le monsieur était tout proche, il était vers Bonamou Sadi là. Voilà. Je suis allé le rencontrer à Bonamou Sadi. J'ai demandé 1 million. Oui. Pas lui-même, hein, à Freeland. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gérait l'événement? Merci. Le cachet a été payé par un autre cadre de la Freeland. C'est la fille du. Il y a un autre cadre de la Freeland qui s'est marié. Super. Oui. 800 000 francs. Ouais. Oui. Bon, défaut, quel a été ton plus petit cachet jusqu'ici? Mon plus petit cachet, c'est 50 000. 50 000. Oui. Quand je cartonnais avec les audios, je chauffais avec les audios. Il y a une snack bar qui m'a programmé vers Brazzaville là-bas. C'est vrai que le spectacle n'a pas eu lieu parce qu'il n'a pas respecté toutes les conditions. Il devait refaire le bar, mettre des bâches, louer des chaises VIP pour des personnalités qui devaient venir. Malgré que c'était dans un snack pour vivre le spectacle. Il n'a pas respecté tout cela. La veille, il m'a dit des fois, je suis dépassé. Le spectacle, je ne sais pas, j'ai dit ça ne peut pas avoir lieu puisque vous n'avez pas changé la peinture. Le scénario n'est pas propre. Ouais. Moi, je suis dans la ville. Il a dit des fois, je suis conscient. Je n'ai pas respecté tout ce qui a été dit au départ. Aujourd'hui, des fois, souvent se plaint des personnes ou encore des personnalités. Par exemple, tel est arrivé au deuil, il n'a pas payé sa part de truc de deuil. Il n'a pas donné sa part de tout. Bon, je ne connais pas comment tu appelles cela. Est-ce que en te plaignant d'une personne sous forme humoristique, une personne s'est plainte disant que non, c'est fâché en fait. Une personne s'est fâchée disant que non. Mais qu'est-ce que il me sabote? J'ai l'habitude de dire, je suis touriste. Mère, c'est maman qui m'a initié comme ça. Ouais. À l'époque. La mère avait tellement les difficultés. Vous savez que nous, on ciblait. Maman ciblait les deuils. Hein? Parce que pour avoir à manger, c'était compliqué. Ouais. Il fallait que dès qu'on entend qu'il y a deuil sur telle place, elle doit chercher 2 têtes de sel. Vous connaissez les sels qu'on mettait seulement dans les papiers comme ça. Elle achète même 2 têtes là, 300. Et pas donné comme kivu. En retour, on doit charger le sac. Et quand tu amènes un kivu quelque part, tu es installé là où. Vraiment, tu es installé là où ça mord. Ouais, ouais. Là où ça mord, c'est où il y a la consommation. Quand elle était installée, donc là, tout ce qu'il y a, Ndoleri, aimé. Taro, il parle de ma maman. Justement. Aimé. En plus, quand il parle comme ça, il va m'appeler là pour dire des fois, tu as exagéré sur mon nom. Mais c'est la vérité. Ma mère était une touriste. Elle est encore vivante, elle est encore touriste. J'ai dit que modèle un peu parce que j'ai pris le pouvoir. Donne la place à la jeune génération. J'ai dit qu'elle modèle un peu dans les deuils. Pour moi, j'ai dit qu'elle me visite plus les deux. Moi-même, je vais le travail qu'elle faisait à l'époque. Et j'ai pris mon plus pouvoir. Ouais. Donc, ça voudrait dire que Défaut a été inspiré par maman. Oui, par maman. Et aujourd'hui, il suit la ligne et il a même pris le pouvoir. Un jour, je vais vous raconter une petite anecdote. On est allé chez le député. Ouais. Vous, les présentateurs. Oui, allons-y. Oui, oui. On est allé chez le député Fouadjen Calvin. Il arrosait la Hummer, la Chevrolet qu'il venait d'acheter. Il y avait sauvagement à manger. Moi et maman, donc, on a tissé un plan. Voilà. J'entre dans la maison parce qu'on est voisins. Justement. Je prends la nourriture, j'envoie par la clôture. Ouais. Tu récupères de l'autre côté. J'ai pris une cuisse du porc. Ouais. Ça, c'est chez le député voisin Calvin. Justement. J'ai piqué la cuisse du porc, j'ai lancé. Maman, dans le but d'aller sécuriser la cuisse du porc, comment elle est partie là par derrière, j'ai lancé le poulet, un plastique de poulet. Justement. Avant qu'elle arrive, le chien, un certain Tatoma, avait dévalisé le plastique. Un chien. C'est où est né le chien, ce qu'est chien voyou. Le chien avait dévalisé un plastique vraiment fourni, très riche. Mais c'était sérieux ça? C'est sérieux, c'est des histoires vraies. Moi, Et c'est des histoires vraies qui t'a vraiment lancé? Parce que le chien voyou, le chien Kwanja, nous avons ri. C'est ça qui m'a inspiré, le chien Kwanja.
J'ai dit, maman, j'ai envoyé le plastique avec le poulet magique de fou. J'ai trouvé que les traces. Et on a bien filé, c'est le chien d'un voisin, Tatoma, la fille de vie, puis on l'appelait Tatoma, qui a porté tout un plastique. J'ai dit, très bien fourni, je t'assure. Très riche. Et ça a créé un conflit entre ma mère et moi, et que toi-même, tu détournes un plastique, tu accuses le chien. Comment tu peux faire ça? Ce n'est pas sérieux, ma tête. Je veux le plastique que j'ai envoyé. Oui. Mais non, je n'ai pas vu l'autre là-bas. Après, c'était les plantains, c'était les demi-jus que j'envoyais par la barrière, même plastique, fourni, poulet, tout ça. Donc, on n'a pas retrouvé le quantien apporté. C'est où, c'est ça qui m'inspire le sketch chez vous, voyou. Tapé au nom de Dieu. Écoutez le sketch. Vraiment, tout a. Je l'ai souvent vécu, mais rarement. Le choc de famille a pris la parole, bref. Voilà. Le pasteur, bref. Et même les enfants, c'est-à-dire le témoignage a été tellement bref, nous on n'a rien compris. Bref, tout s'est passé comme si c'était sous des roulettes. Okay. On a attaqué l'étape de la consommation. Vraiment, tu faisais tes deux tours. Trois tours, moulin ou tes deux tours, trois tours, on ne te demandait rien. Puis on a tout fait, j'ai chargé la nourriture dans un plastique. Plus long que le sac de la femme qui consomme depuis qu'il est digne. Le ventre étant surchargé, encombré, j'ai déposé le plastique à côté de la route. J'ai fait quelque chose comme 5 minutes dans les herbes. Ça dit des chiens totems. Somme chien voyou que tu vois en route, tu te dis que c'est un chien alors que c'est un être humain téléguisé pour dévaliser les plastiques. Voilà où est né le sketch chien voyou. C'est super. Donc, on va dire, c'est ça qui explique le génie qui vit en nous, c'est ça qui explique le talent brut dont parlent tes nombreux fans, c'est ça qui explique un défaut premier extraordinaire, je vous l'ai dit, très différent des autres. Défaut premier. J'ai encore fait un autre sketch quand je faisais la série de Kalagan, qui se reconnaît. En plein midi comme ça, la famine m'a attaqué. Vrai. On est en train d'aller manger, tous les acteurs sont déjà entrés. Moi, je suis à la porte. J'arrive comme ça, je trouve un gros chien que Kalagan a mis à la porte. Je dis, mais regardez la malchance. Voilà mon ami qui m'invite manger midi. Et voilà le chien qui me bloque. Mais on en sent l'odeur du tarot. Mais le fantôme chien me bloque. C'est parce que les chiens ont vu dans ma vie, c'est un sketch qui a fait le tour du monde. Kalagan n'a rien compris, mais c'est des histoires réelles qu'on a vécues. C'est notre quotidien qui m'inspire. Oui. Comme je vous ai vu tout à l'heure, je vais faire un sketch après vous, justement. En one way, qui parle des journalistes et des personnalités. Justement. Oui. Montrer comment on maltraite les journalistes. Tu prends tes caméras, tu te déplaces pour aller interviewer une autre personnalité. Le simple fait que tu te trouves au salon avec sa femme, t'as envie de boire du bon champagne, manger le poulet, manger des bonnes choses avec ses enfants, tu es au portail comme ça devant le vigile te dit que tu ne vas pas entrer ici, même si on te donne l'ordre. Et n'oublie même que tu es aussi une personnalité publique. Sauf que les mêmes moyens que son patron a, vous n'avez pas les mêmes moyens. Je vais montrer comment on chiffonne les journalistes. Comme je parle là, je vais le faire le matin parce que les gars sont pirates tellement. Non, en fait, c'est l'idée signée le défaut premier. C'est l'idée même signée. Même si on essaye de voler cela, puisque ce n'est même pas légalisé, nous allons démontrer en disant que non, ça avait commencé ici. Bon, défaut premier. Aujourd'hui, à côté de notre professionnalisme, nous sommes pères de famille. Défaut premier à beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Oui. Défaut premier. J'ai fini la maison des touristes de Yaoundé. J'ai fini la maison, en finition, des touristes de l'Ouest. Je suis en train de réfléchir comment construire une maisonnette pour les touristes de Douala. Pour que si je voyage avec les acteurs, s'il y a deux, trois chambres, on se sert chez nous. On ne commande plus les maisons. Je prépare la série des histoires qui vont se suivre. Oui, qui va se tourner dans la maison des touristes. On ne va pas demander un site à quelqu'un pour aller tourner parce qu'on chiffonne tellement les acteurs. Quand tu arrives chez quelqu'un comme ça, tu trouves qu'il a une belle maison qui est grande. Ouais, j'ai envie de faire ma comédie dans ta maison là. Pardon, aide-moi avec la maison. Quand il te laisse même tourner après, il accuse la sorcellerie. Il dit que non, les gars, c'est ce qu'ils font là. Moi, je ne crois plus. Ça, c'est la sorcellerie. Eux, ils ont trempé. Ils veulent peut-être livrer quelqu'un. Moi, pourquoi ils sont venus demander la maison? Donc, quoi par là?
Là, au Cameroun, est tellement chiffonné. Et j'accuse les artistes. Mmh. Si nous prenons le pouvoir, nous disons, à compter d'aujourd'hui, il n'y a plus de mariage. Mmh. Les humoristes ne jouent plus dans les mariages. Mmh. Il n'y a plus de spectacle humour. Mmh. Il n'y a plus rien qui concerne les comédiens. Mmh. Je pense que ceux qui nous dirigent vont prendre leurs responsabilités. Mmh. Ça, c'est une vérité. Beaucoup disent souvent, on a envie de faire comme vous. On a envie de prendre la décision, on a envie de dire, nous ne ferons plus si on ne nous fait pas ça. Mais on se demande, si on boude et qu'on vit essentiellement de ça, comment faire pour s'en sortir de là? J'ai échangé avec toi là, il y a de cela quelques jours. Mm. On a dit, si on peut supporter la famille pour une semaine et après vivre éternellement, ça on peut avoir faim. Si l'artiste peut comprendre cela, l'artiste ne va pas souffrir. Ne pensez pas vous que si vous aviez un syndicat, si vous avez une association, nationale bien soudée, vous pourriez forcément via les foras prendre cette initiative en voyant au préalable vos parrains, vos présidents que vous appelez souvent, de vous envoyer d'abord quelque chose sans leur parler de la grève. Quand ils envoient, vous essayez de partager entre vous. Qu'il y ait quelque chose. Mmh. Il faut qu'il y ait quelque chose. Mmh. Les artistes doivent prendre leur pouvoir. Il n'y a pas question que les associations, avant que les associations n'arrivent, il faut que les artistes se disent à partir d'aujourd'hui que je joue, il faut qu'on me respecte. Mm. Respecter un artiste, ça veut dire quoi? Des fois, demander un cachet de 300 000 francs. Ouais. Le jour où il arrive au spectacle, tu sais que tu vas l'installer où les gens ne vont pas le parler n'importe comment. Justement. Il doit parler, discuter la nourriture. Tu ne peux pas être en train d'aller faire un spectacle chez quelqu'un. On te retrouve sur la table d'honneur en train de manger, chercher à manger. Avant d'aller jouer, il faut que celui qui t'invite s'occupe de toi. Et s'occuper de toi, c'est quoi? Te donner à manger, mmh. et te donner à boire ce que tu bois, hein? Te mettre dans un cadre qui est respectueux. Donc les humoristes, ce n'est pas une histoire de syndicat. C'est une histoire que les artistes ne sont pas solidaires. Et les artistes ont tellement faim, mmh. qu'ils vont mourir de faim. Ils ne vont jamais avoir de l'argent. À qui la faute? Tu as encore dit aux la faute, c'est à nous-mêmes. Ne penses-tu pas que le système n'a pas aussi pensé à ça? Parce que si, par exemple, l'artiste vivait de son art, je veux dire, avait une pension à ce niveau-là, si l'artiste avait, à la fin du mois, quelque chose ne serait-ce pour motiver son art, est-ce qu'il serait dehors tout le temps? L'artiste, c'est la famille qui fait qu'au Cameroun, on respecte pas l'artiste. Et l'artiste ne veut pas supporter la famille. Si vous dites, allons faire le site au ministère de la Culture, pour que nos droits, on paye nos droits. Je vous assure qu'un fantôme va sortir là avec 6 casiers de bière. Donc celui qui était avec toi va te dire que, gars, même ce qu'on a prévu, moi, je ne sens pas ça. Tout ça pour 2 bières. Là, je donne en partie raison. Parce que quand on appelle un artiste, on vous dit, l'artiste, bonsoir, voici un cachet de 60 000. Il vient rapidement. Mais si on dit l'artiste bonsoir, on a besoin de savoir un peu mieux sur ta carrière qui pourrait non seulement il être va te dire bien qu'il pas pour le les temps. Mâmes, et qui pourrait aussi inspirer la nouvelle génération. Il va gagner quoi? Il va gagner quoi en retour? C'est pour le valoriser, justement. C'est pour parler de sa vie. Justement. Voilà. Des fois, quand je refuse un cachet de 150 000 francs pour aller jouer à Douala. Mmh. Un comédien dit que même mon frère blanche-moi sous ça, même pour rien, je parle. On te propose d'avoir 150 000, on a su qu'il y aura Farota de Pouya. Tu connais les bobos. Il y aura un Farota dangereux là-bas. Tu vois, ils ne se respectent pas. Vous voyez des mariages partout. Les comédiens s'alignent. Là, tu me programmes à quelle heure? Là, tu me mets à quelle heure? C'est ça qui tue là. Et ce qu'il faudrait aussi mentionner ici, c'est que tellement, on se plaint souvent, oui, vous, les speakers, vous avez des soirées, vous ne nous calez pas, vous les maîtres des cérémonies, vous avez des soirées, vous ne nous appelez pas, non. On a souvent dans le contrat l'envie de dire, j'ai des artistes humoristes sur la main. On ne refuse pas d'être manager. On dit, je veux par exemple mettre Nono sur la liste. Hein? Il faut donner le cachet de Nono. Le concerné dit carrément, je n'ai pas besoin de payer les humoristes, ils viendront des mêmes. Tu vois ce que ça fait? L'artiste se vend moins cher. Tu vois ce que ça fait? Oui. Il me rassure que les humoristes viendront. Tu vas les voir là. Non.
tel. Non, tout ça là, on va les appeler. On paye quoi? C'est un peu ça. Et souvent, le concerné, ne maîtrisant pas le terrain, dit ton artiste là, tu trouves qu'on peut donner combien? Il dit, vraiment, on peut donner même ne serait-ce que 50 000 francs pour son transport. À peine tu as dit cela, tu es parti. Quand il s'en va dans le comité d'organisation, il dit il y a l'artiste de nous qui va arriver, par exemple, on va lui donner 50 000 francs pour son transport. Un gars s'assoit et dit que non. Ah bon, j'ai vu avec lui hier. Non, c'est mon gars. On a fait quoi ça tous les jours, mon frère. Hey. C'est seulement un demi-casier de bière. Il ne dit pas de bière. Je peux t'assurer, il ne dit pas de bière. Il dit, je vais vous amener Nono gratuitement. Donc voilà. Donc c'est là. Je vais vous amener l'artiste. Tu as négocié le cachet, tu as signé, tu as persisté. Mais on te dit, un gars dit non. Et quand tu l'appelles là, président, c'est quand? Non, c'est là. Il arrive même avant les invités. Dis donc. Tu vois, il est dans un couloir comme ça, il est dans la salle, celui comme la fête, il va commencer. Et le comble, c'est que, gars, passe-moi, je vais jouer. J'ai beaucoup de trucs à faire. J'ai un truc à faire là. Ouais, passe-moi. Quand tu passes, tu passes l'artiste, disant qu'il est pressé, tu finis la soirée, l'artiste est toujours là sur la piste en train de danser. Moi, je dis, ceux qui farotent des faux sur scène, c'est le cœur venu avec les 500 000 Didi. Tu venais par 500 watts. Vous tuez mon sketch que justement. Je vais proposer au public pour justement. Une fois de 500. Justement. Si tu veux me faroter, arrête le lot d'argent là, viens, tu donnes, tu pars. Ne viens pas me faire ça. Et si tu veux me faire ça, il faut brûler le cap. Ouais. Dis 10 000. Ça se voit sur la toile. Parce que le sketch que je propose au public, c'est ma vie. Justement. C'est ma carrière. Si je rate le sketch, ça peut tuer ma carrière. Justement. Laisse-moi jouer. Si tu veux me faroter, donne une fois. Ouais. Moi, je le dis. Le farotage, c'est quoi? C'est rien. Après le farotage, là, il y aura encore quoi? Tu vas aller manger, peut-être c'est 30 000, peut-être c'est 50 000 francs. Tu vas manger, ça va finir. Mais est-ce que tu as réussi devant un public formidable peut te faire vivre toute ta vie? C'est-à-dire que tu ne manques plus rien. Hein? Quelqu'un peut te dire, mon frère, ce que tu as fait là, tellement ça m'a... Justement. Vraiment, je veux qu'on joue en France. Je veux qu'on joue. Tu vois ta vie changer. Est-ce que tu sais que des personnes t'aiment tellement? Non, je sais. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont à même de te considérer ce dollar comme la purée de Banga qui avait pour tapis rouge des habits de sauveteurs en Gouloulou? Non, je sais, mais il faut que ces gens-là me donnent un peu du temps. Qu'on me laisse un peu travailler. Ouais. Moi, je pense que ce n'est pas encore le moment de mourir pour défaut. D'aimer défaut. Avec le cœur, pour le moment, il faut que ce genre-là me critique. Parce que je travaille pour le public. Je n'ai pas dit tout le monde aime des faux. Oui. Il y a des critiques qui existent et qui aiment châtier aussi. Ça voudrait dire, si j'aime des faux, je vais lui dire des faux, à tel niveau tu as merdé ou encore à tel niveau, tu pouvais plutôt apporter ça. Non, quand je me laissais travailler parce que partout, tu es trop fort. Mais tu crois que je suis fort. Moi, je trouve que... Mais ce que tu as dit en toi... Non, je ne suis pas fort. Je préfère que tu dises cela en toi, parce qu'il est si bien écrit. Si tu ne te donnes pas de la valeur, personne d'autre ne te donnera cette valeur. Il faut viser le haut. Il faut viser le haut pour ne pas réaliser bas. Je préfère que tu dises, que tu laisses des gens dire ce qu'ils pensent. Parce que ça, c'est également la liberté d'expression, c'est également la démocratie. Et j'aimerais que tu exiges beaucoup de toi, sans pour autant dire à l'autre, non, laisse ça. On est d'accord? J'ai compris. Ouais, c'est important de le faire. Voilà, moi c'est Obiono Di Noël. Je suis un fan, un très grand fan de Ndefo Premier. Bon, voilà, la comédie de Ndefo me plaît énormément et j'apprécie beaucoup ce que Ndefo fait. Il me fait beaucoup rire, il me donne vraiment de la joie dans le cœur. Et moi j'apprécie tout ce que Ndefo fait parce qu'il est naturel, dans tout ce qu'il fait et il se donne normalement. Et je prie aussi à tous mes frères africains de le soutenir normalement. Ndefo Premier se bat énormément, il est très bon, c'est mon meilleur comédien pour l'instant. C'est ton président? Oui. Tu es de son parti politique? Je suis le premier ministre des touristes. Ah.
de l'ouest de Douala et de Bafoussam, de Yaoundé et Douala et Bafoussam aussi. Mmh. Ouais. Mais récemment, à l'ouest, apparemment, tu as traversé tes limites. Mais c'est comme ça quand tu sens que tu es fort, non? Nous, les touristes, on appelle le bi-battre d'intégration rapide. Quand tu arrives quelquefois, on a trouvé un succès. Mmh. Parlez-nous de lui. Ah, défaut. Moi, je n'appelle pas un défaut, j'appelle partout. Partout, c'est un langage d'une de finesse. Parce que quand moi je joue, j'ai les artistes que moi j'aime, et j'aime mes idoles. Quoi. Il y a Jean-Michel Quintan, l'une de finesse, Bruno Michel, quelques Camerounais aussi, que je ne vais pas dire, que je vais taire les noms. Défaut, c'est un gars qui est bien, il est posé, il est aussi un peu brut. De nature, il est brutal, même sur scène, il est brutal. Je ne sais pas si vous voyez souvent sa brutalité sur scène, il est brutal, mais il est bien. Il est le seul comédien avec qui, quand je suis sur scène, je joue et je ris. En fait, on rit ensemble. Vous êtes ensemble, oui? Ok, on rit ensemble. Ce qui fait en sorte que, en lui, entre nous deux, il y a un certain courant qui passe entre nous deux. Quand je suis avec lui, tous les films que j'ai tourné avec lui, on n'a pas fait de mécanique, on a pécu le scénario, il m'appelle au téléphone, il me dit pour toi, il dit oui, on va faire comme ça, on monte sur scène, bam, on fait ça cato. On a toujours les nombres, on a toujours les 10 000 vues, 50 000 vues, 75 000 vues. Toutes les vidéos qu'on a fait ensemble, il faut voir les commentaires des films que j'ai fait avec lui. Et on a beaucoup de projets, on a beaucoup de films qu'on a tournés. Vous allez voir, c'est un film qu'on a fait sur le coronavirus, sur les impôts libéraux. Vous allez voir. Lui, on n'a pas besoin de trop forcer. J'ai tourné avec lui partout. Je marche avec lui parce que c'est quelqu'un qui est le plus positif, qui les fait les ondes positives. Parce que c'était pour ça que quand tu marches avec lui, il refait les ondes négatives. Lui, c'est quelqu'un qui est positif. Ouais. Je ne dis pas ça parce que je travaille avec lui. Il faut dire que tu es Wangala aussi. Ouais, il ne faut pas dire que c'est moi Wangala. Mmh. Et c'est bien vrai. Les gens me disent pourquoi tu n'es pas revenu sur la scène depuis. On te cherchait, pourquoi. Donc il y a quelqu'un qui écrit sur la page des fois, il dit Wangala, le genre que je t'aime, Dieu seul connaît. C'est un mot, je ne connais pas la personne, mais c'est un mot qui m'a beaucoup touché. Et je tiens à rappeler à mes fans, parce que le show dit c'est un commerce. Chaque artiste a ses clients et chaque fan a son artiste. Je vous en mis. Ce qui fait en sorte que je promets à tous mes fans que je reviens avec des faux. C'est bien vrai, j'ai mes trucs personnels, mais actuellement je conserve une des faux pour avoir le cap pour revenir sur ma plateforme de Nono de Wangala. Parce que c'est moi le créateur. Je me vante pas, je suis comme le créateur de quoi? Le créateur du style mongol au Cameroun. C'est jeune. Oui. On a quand même la chance de l'avoir. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vais vous expliquer un petit, parce qu'il y a Nono, oui? Il y a Wangala. Nono, lui, c'est un mongol. Mm-hmm. Wangala, c'était un aliéné. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Ngassan Gandhi à l'époque. C'était Wangala à l'époque là. Quand Wangala passe à Dieu, c'est. Mon père dit que quand on part là-bas, on part tous les kakou. Là, c'est Wangala. Mais quand c'est Nono, Nono, c'est le Mongol. Mm-hmm. Parce que Nono. Quand la mère a voulu, elle a dit que c'est moi qui avait pesé sur lui, alors que c'est son fils. Son fils pesait plus que moi. C'est deux mondes bien différents. Et c'est un peu ça. Et je vous promets qu'un des fois, moi, on va faire beaucoup de choses. On a tourné plus de 25 sketchs qui sont gardés. Actuellement, là, c'est bien vrai que MyAfrica TV, vous êtes venu chez nous, vous êtes venu, sauf pour ça en tournage. Si vous constatez bien, vous voyez, tous les acteurs sont là et on vous promet le bonheur. On vous promet le bonheur et je tiens à rappeler à tous mes fans que je ne vais jamais vous décevoir. Mm-hmm. Je vais rester tout dans mon style et je vais vous proposer beaucoup de choses après. Des fois aussi, bientôt, il va changer. Et merci pour vous, que Dieu bénisse tous nos fans. Amen. Bon, défaut premier. On va clôturer puisqu'on a tournage. Oui, justement. On a un tournage Il y a tournage. Oui. Défaut premier. J'ai envie que tu regardes ces caméras et que tu dises merci à des personnes qui t'ont vraiment marqué et qui te soutiennent naturellement. À toi le mic. Je vais dire merci à Madame Yamedian. Mm-hmm. Je vais dire merci au milliardaire Bawang. Je vais dire merci à Docteur Beka. Je vais dire merci. Ah, il y en a tellement. Je ne sais pas si je vais me retrouver. Je vais dire merci au président Bovard.
Je veux dire merci au président Foto qui est aux États-Unis, Foto Jean, depuis l'Afrique du Sud. Je veux dire merci à Maman Laure qui m'a envoyé 40 000 francs pour la toute première fois de ma vie. J'ai payé mon premier téléphone. Ça fait des audios et des audios. Maman Laure, je veux dire merci à la communauté Hamas. Je veux dire merci à tous les Camerounais qui vivent en Europe, en Asie, un peu de partout. Ce que vous faites pour moi, les mots me manquent en fait. Madame Niamedjan, c'est une très grande dame qui m'a beaucoup aidé, qui m'a appelé comme ça un jour au hasard. Elle m'a dit, des fois même si tu manques quoi, appelle-moi. C'est vrai que je ne l'ai jamais appelé. Forcément, elle m'appelle deux fois, viens quand j'arrive comme ça, je te prends même ça, mais tu arrêtes ta main avec. C'est une dame qui m'a beaucoup aidé. Je veux dire merci à tous les journalistes. Président Chop Chop, Cyril Bojiko, Consti Eka, les noms, Jason Black, toutes ces sommités, de là à vous-même, on se rencontrait plusieurs fois dans des mariages où c'est vous qui présentez les mariages, les anniversaires. Des costauds, hein? Mais vous-même, vous n'êtes pas facile, vous avez tous les couloirs. Merci. Je vais dire merci à tous les animateurs radio. Je vais dire merci à tous les comédiens qui ont cru en moi jusqu'ici. Les Fingon Tralala, les Jean Calagan, les Cabrel Nandib, les Moussi le Charismatique. Bref, tous les humoristes, la jeune génération, tous les acteurs. Vraiment beaucoup de courage. Le chemin est long, mais la vérité, c'est la seule chose qui libère. Si on travaille, on va finir positivement, puisque c'est le travail qui élève l'homme. Il n'y a que le travail et rien que le travail. Vive les touristes, vive la consommation, surtout vive son président. Président de faux premiers, autoproclamé. Si je meurs, tu pas la nourriture, c'est que je dors seulement. Merci, monsieur le présentateur. Et merci à Maï. Maï. Le nom Malfica TV. Merci à Malfica qui m'a recherché. Malfica TV, faut préciser. Malfica TV qui m'a retrouvé dans mes couloirs, dans mes marches et tout, couloir de Thio, couloir de tout, couloir de la consommation. Vive aussi Malfica. Faites ce que vous avez fait pour moi là, pour d'autres artistes. À ceux qui sont encore en l'air, pardon, prenez tout le monde si ça peut aider les artistes dans leur carrière, que ça les aide. Vive Malfica. TV, à jamais. Ouais. Bon, merci, une des faux premiers, on fait comme ça. Alors, mesdames et messieurs, nous avons vraiment eu chaud avec une des faux premiers parce qu'il nous a marré. Il nous a amené dans un monde où, franchement, nous avons tout retrouvé. Il nous a amené dans un monde où nous avons trouvé nos désirs quotidiens comblés. Grâce à lui, nous avons oublié les mots que nous vivons au quotidien parce que c'est un véritable humoriste camerounais, surtout. On se prend très prochainement dans une autre édition de Rancard. Mais levez-vous, vous sautez. Levez-vous, vous sautez comme ça. Vous venez interviewer les gens. On est et vous ne devez pas manger. Sautez de chez moi. Sautez, dis donc, sautez. Allez comme ça. Merci. Quelqu'un n'a pas mis quelque chose sous la dent. Vous interviewez. Vous pouvez vous vivre l'intervivation. Pardon, allez comme ça, dis donc. Allez, sautez de chez moi. Pourquoi on va interviewer comme ça? Après, on va dire qu'il y a l'argent sous ça. Quelqu'un me prend une heure de temps comme ça pour une histoire d'intervision. Pourquoi je peux vous tâcher maintenant avec le caillou? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ah, allez-y donc, tournez-vous. Tournez vos appels, allez-y comme ça. Allez-y.